Waouh. J'y crois pas, Joël. C'est Jurassic Park. C'est vraiment un dinosaure. Waouh. Il est beau, hein. Joël. Surprise. Je le crois pas. Est-ce qu'on peut lire? Putain, c'est un dinosaure. Tyrannosaurus Rex. Le ça mérite roi un petit. Des lézards tyrans. Il est énorme. Petit garbouillage, hein. Joël m'a dit qu'il m'emmènerait camper la semaine prochaine pour mon anniversaire. Il dit qu'il a trouvé un truc qui va me plaire. Il a l'air tellement fier de lui, il me fait rire. Kat s'est assise à côté de moi pendant le film. Nos coudes se touchaient, je crois qu'elle le faisait exprès. J'en sais rien, peut-être pas, probablement pas. Dina m'a fait une couronne pour mon anniversaire. Elle est retournée au camp pour chercher du papier. C'est plutôt cool. Bah, ils sont nuls. Le Dimétrodon était un super prédateur. C'est quoi un super prédateur? C'est un prédateur qui déchire. Plutôt court sur pattes. C'est pas la taille qui compte. Belle carte. Oh, cool. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ces cartes de super-héros. Je crois que c'était à la mode avant. Je crois que Sarah a fait la collection pendant un temps. Mais je confonds peut-être avec les petites bestioles, là. Je sais plus. Trop génial. Il est où, le volant? Les rovers ont pas de volant. Il y a des manettes. Ah. Attends. C'est le vrai rover? Ils ont laissé les vrais sur la Lune, alors je dirais que non. J'avais pas vu. Un jour, peut-être. Hé, fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Allez. Vas-y. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Essaye de trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. Une carte. Est absolument énormissime. En voilà un qui en manque de câlin. Oh là là, la taille. Tu es pour eux. Il fait sombre ici. Les quatre soldats à l'entrée, le dernier a pleuré. A torturé la femme, elle s'est noyée dans son sang. Putain, la vache, c'est vraiment des barbares, hein. Les vagabonds qui se sont introduits dans le camp, ils voulaient juste manger.
Oh putain. Montre-toi, putain. Gamin qui s'est mis à courir, je l'ai. J'ai pas pu l'arrêter. C'est quand même bizarre d'avoir écrit tout ça sur les murs. Hein. Qu'est-ce qu'on a décrit ? Nous voulions mettre un terme à la souffrance, nous voulions rétablir l'humanité. Chaque fois que nous sacrifions une partie de nous-mêmes, nos chefs nous disaient que ça en vaudrait la peine. Aujourd'hui, le groupe est dissous et il ne nous reste plus rien. J'ai pensé que venir ici réveillerait quelque chose, me donnerait un but. Mes parents adoraient m'amener ici. C'est un de mes premiers souvenirs d'avant l'épidémie. Avant la cruauté, la sauvagerie, ces souvenirs accentuent ma colère. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Je ne peux plus me regarder en face.